poser la même question. Tu as oublié. Ou tu t'es reçu chez moi pour me récompenser? Tu sors avec mon copain. Ça va, bon, écoute, on va Non, pas faire non, 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 Anne-Marie, tu du dois public comme m'expliquer ça. ça. Tu dois m'expliquer. On va pas faire du public comme ça. Quand même, on va pas. Nous sommes des copines, hein. On va pas se discuter pour un privat comme ça. On nous dit qu'il ne mérite pas. Tu sais, je pense qu'on va donner une très bonne leçon à ce que je viens là. Je me le sens. Je me le sens chez nous. Et puis à quoi tu Dis-moi. vas, Salon? À quoi tu penses? Je crois qu'on oublie. Tu sais, Ça, c'est une très belle leçon. S'il quitte là, il va plus chercher deux copines. Ça, j'ai je te jamais dis. fait ça. Il va même plus chercher des sœurs, des copines, même des jumelles. Il va oublier tout ça. Ici. David, c'est qui veut? Je vous ai pas dit. Je vous ai pas dit. Je vous en marre. Calmez-vous. Calmez-vous. Mettez-vous debout là. C'est pas moi, c'est pas moi. On est juste venu vous donner des informations. Bon, bref, je me présente. Capitaine Akapou, lieutenant Santana, nous sommes du 22e arrondissement. Nos éléments ont effectué une patrouille de routine et au sorti de cela, nous avons appréhendé trois individus. Ces trois individus avaient en leur possession des appareils électroménagers, des ordinateurs portables, enfin j'en passe. Et il y a une fille parmi ces individus qui est passée aux aveux. C'est ici! C'est ici! C'est ici son véhicule! Donc, présentement aux portes, vous pouvez passer et récupérer vos appareils et autres. Avant là-bas, au revoir, guillez là-bas. Merci, c'est ici. Vous avez bien compris. Bien compris, chef. Merci, chef. Merci beaucoup, chef. Merci, chef. Chef, merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas, on est là pour votre sécurité. Hein? Laissez-vous me tuer ici. Il y a un Dieu pour les pauvres. Merci. Ça là. Ça, il faudrait que j'aille expliquer ça à Nadia. Il faudrait que j'appelle Nadia rapidement. Là-bas, où quoi? Chérie, je te présente ma copine, ma soeur et tout, Anne-Marie. Anne-Marie, ça va pas l'anglais? Voilà, c'est mon chéri dont je t'ai parlé là. En tout cas, Amélie, tu as vraiment fait le bon choix. Tu sais que j'ai bon goût. Hein? Oui, il est jeune, charmant, il travaille. Vraiment, je suis fière de toi. Il est tout mignon. Garçon qu'on ne peut plus là, ça, ça y est pour toi. Hein? Je l'ai trouvé pour moi, puis je ne le lâche même pas. On est collé serré. Pas l'anglais, ça va? Ça va, merci. Okay. Merci pour le compliment, c'est vraiment gentil. C'est gratuit. Et vous, ça va? Ça va, moi, ça va, aussi. Ok. Chérie, dis-moi. Oui, bébé. Qu'est-ce que tu veux faire ce soir? Ah, je prépare un bon plat pour toi. Ah bon? Tu vas apprécier. Et c'est quoi? Non, c'est une surprise, toi aussi. Alors, je vais te servir. Dépêche-toi, alors. Non, je cours même. Attends, une minute. Ah, Marie, vous m'aidez à le servir. Ok, pas de problème. André, ça c'est pour toi. Ça t'apprendra à être infidèle. Sale frivole. Ça t'apprendra de me prouver. Je te jure, ça va pas se passer comme ça. Promets. Je me sens ça. Bonjour. Écoute, j'ai appris pour le collège. J'ai aussi donné mon numéro pour ça sur le coup et l'info de chercher des affaires. Mais dans tous les cas, je vais marcher. Écoute, merci beaucoup. Merci pour ton attention, mais c'est vraiment pas la peine. J'ai une assurance par mon travail, donc je te le dis. Madame la propriétaire, on n'est pas le seul à avoir été cambriolé. Moi, on m'a tout pris. Mes bijoux, mon corps, même ma valise climatisée a été emportée. Et je pense que vous feriez mieux d'engager une société de gardiennage que de faire confiance à ce Jean-Marc. Nadia. Qu'est-ce qui se passe? Il était à la maison tout à l'heure. Il y a deux policiers qui sont venus taper à la porte. Moi, ils que c'est moi, ils étaient venus attraper. Ils disent, ils ont retrouvé tous les affaires. Les affaires! Tous les affaires!